Coucou tout le monde, vous allez bien? Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comment faire une miniature MSP. Donc mes miniatures ressemblent à ça. Voilà. Je vais pas parler de cette miniature mais je vais parler de ces deux miniatures. Alors déjà vous allez sur MSP, vous allez dans Shopping, vous allez dans Décor. Je me dépêche parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Vous choisissez un fond. Donc bah moi je vais prendre ce fond. Voilà. Pourquoi pas. Vous mettez nouveau. Et vous. Non mais. C'est une blague. Vous mettez nouveau et vous screenez le fond. Vous mettez enregistrer. Et vous mettez, bah, je sais pas moi, n'importe quoi. Voilà. Ensuite, vous ouvrez une nouvelle page et vous allez écrire Pixel PI. Merde. PIXLR. Et ça va vous ouvrir la page. Vous mettez ouvrir l'éditeur. Open image from computer, je sais pas comment on dit, c'est en anglais. Et vous mettez le truc que vous avez, le fond que vous avez enregistré. Vous mettez ouvrir, filter, blocks blur. Bon, moi du coup c'est en anglais, mais vous ça dépend après, ça se trouve c'est pas en anglais. Donc là en fait ça va, il s'agit de mettre le fond un peu flou, voilà. Vous mettez OK pour que ça fait enfin, pour que c'est un peu plus beau. Vous mettez save, donc enregistrer. Et voilà, vous mettez OK. Ensuite, vous allez sur Movistar Planet. Il faut que vous alliez dans Création, Artbook, Créer un artbook, enfin créer un nouvel artbook. Vous allez dans Images. Donc pour ça, il faut être au minimum niveau 6. Donc je suis désolée, bah voilà. Donc essayez d'être niveau minimum niveau 6. Ensuite, vous allez vous agrandissez. Vous prenez un carré, c'est mieux. Je vous conseille de prendre un carré. Peu importe la taille, on s'en fiche. Vous mettez. Ensuite, vous allez dans Movistar Planet et vous prenez. Vous choisissez votre Movistar Planet. Attends. Donc, ouais, ça serait un fond vert pour ensuite mettre. Aller sur Pixelar et pour le changer. Enfin, pour enlever le fond vert et pour que la Movistar, bah. Il n'y a pas de fond vert, quoi. Enfin, pour qu'elle soit transparente. Je sais pas comment expliquer, mais vous verrez. Je crois qu'il y en a, ils ont compris, mais voilà. Vous êtes dans animation et vous choisissez une animation au pif. Voilà, bon, moi je prendrai elle. Bon, une animation belle quand même. Vous pointez nouveau et vous screenez. J'en ai marre de screener, genre d'enregistrer, ça me saoule. Vous mettez, je sais pas, genre n'importe quoi. Après, vous allez dans online, vous allez dans. Ensuite, vous allez dans. Donc, ça, vous mettez. No. Vous mettez open image. Et vous prenez, enfin vous prenez la Movistar que vous avez mise sur le fond vert dans votre artbook. Après, donc là, écoutez, enfin, soyez très attentifs. Vous cliquez, vous faites double clic sur le cadenas. Donc là, ça va vous mettre ça. Vous cliquez deux fois. Ensuite, vous mettez New Layer, donc c'est pour mettre un nouveau calque. Vous déplacez le calque vert en haut. Donc là, il faut qu'il y ait Layer 0, Layer 1. Ensuite, vous allez dans Layer 1, clic droit. L'air style, donc moi c'est en anglais, mais vous, je sais pas ce sera comment. Vous mettez dans blanc, faut que ce soit FFF, voilà. Inner glow, et vous mettez blanc aussi, voilà. Vous mettez OK. Ensuite, maintenant vous allez aller sur la baguette et vous allez cliquer sur le vert et avec la touche supprimer de votre clavier, vous supprimez, voilà. Donc je retrouve dès que j'aurai terminé d'enlever tout le verre. Et si vous n'arrivez pas bah, à enlever tout le verre, bah, n'hésitez pas à voir d'autres vidéos. Peut-être que je ferai un tuto. Dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi ce que vous voulez comme vidéo. Voilà, c'est bon, j'ai terminé. J'ai à peu près fait. Si vous n'arrivez pas, genre s'il y a des petits détails, bah, vous faites zoom et voilà quoi. Moi, vous voyez les détails, genre là, je ne les ai pas enlevés. Mais après, genre quand je vais mettre normal, genre ça va pas se voir, vous voyez. Donc ensuite, vous allez dans Pick Monkey. Donc voilà, ça sera sûrement en barre d'infos. Enfin, genre voilà. Donc, alors, merde, je vais quoi? Vous voyez là, moi j'ai déjà un truc blanc. Mais en fait, c'est très simple. Vous allez en bas et vous cliquez sur YouTube. Voilà, thumbnail. Et c'est 1280 x 720. Donc en fait, c'est pour les miniatures YouTube, le format YouTube. Voilà. Vous mettez. Edit image, enfin, vous cliquez dessus, voilà. Moi, en fait, ça m'a mis Edit image parce que je l'avais déjà fait auparavant. Vous mettez Add une image, vous cliquez sur le petit plus.
vous mettez, vous cherchez votre fond miniature 4, voilà. Ouvrir, open. Moi, en fait, j'ai mis en anglais et tout parce qu'en fait, genre, j'aime trop l'anglais et tout. Du coup, en fait, j'aime beaucoup l'anglais, donc j'ai envie d'apprendre l'anglais. Donc, genre, même les séries que je regarde, tout, c'est tout en anglais. Donc, bref, qui s'en fout, bah, tout le monde. Ensuite, vous mettez. En fait, il y a mon frère à côté de moi et il chuchote, donc ça me stresse. Vous mettez add une image. Bah, dis coucou YouTube. Non. Coucou YouTube. Vous cherchez votre mot star qui est normalement. Donc. Normalement, non, en fait, normalement, voilà, elle est sur un fond blanc. Donc, vous mettez, voilà, ouvrir, open. Et ensuite, là, vous mettez, vous l'agrandissez. Voyez, il y a encore les trucs un peu blancs, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est pour la faire disparaître, du tout. Enfin, genre, les caisses qui sur beaucoup, voilà. Un photo. T'imagines, genre, tu fais ça. Bref. Donc, ensuite, vous mettez, voilà, vous, bah, enfin, vous fermez, vous mettez, non, pardon, oh non, non, je me suis trompée. Maintenant que c'est fait, vous allez dans, j'ai les formes géométriques basiques, vous mettez, vous prenez le rectangle arrondi un peu, vous le rapetissez comme ça, et donc, moi, en fait, mon jeu sera comment faire une miniature MSP. Donc, en fait, je vais écrire comment faire une miniature. Alors, vous, voilà, vous agrandissez comme ça. Et vous mettez le format, genre, enfin, la place que ça va prendre pour comment. Voilà, enfin, je crois que ça va prendre à peu près ça. Voilà, non, comme ça suffit. Vous choisissez la couleur. Alors, moi, la couleur, je vais prendre. Ah merde, non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Désolée, je me suis trompée. Donc, vous, enfin, pour ça, je veux dire. Voilà, vous cliquez dessus, après vous mettez la couleur que vous voulez, donc moi je vais prendre cette couleur. Voilà, ensuite je vais reprendre ça, un carré, je vais faire fer, enfin pour le mot fer, donc le mot fer c'est pas très petit, ça va quand même, enfin voilà, donc vous prenez la taille et tout. Et moi je pense que fer, bah ça sera comme ça, fer ça suffit comme ça. Vous prenez la couleur que vous voulez. Après, vous continuez pour mettre comment faire une. Que je voulais vous dire, c'est que comment faire une miniature. Et ensuite, maintenant, donc, je vais prendre le logo YouTube que moi. En fait, moi, il est déjà fait. Il est déjà sur fond vert. Donc, regardez. Logo YouTube. Si je me rappelle bien, il est déjà. Genre, il n'est pas en blanc. Enfin, voilà. Donc, parce que, en fait, ce que j'ai fait pour la Movie Star, pour qu'elle ne soit pas sur le fond vert. Je l'ai fait sur Pixlr, et ben faut que vous fassiez pareil. Genre, moi j'ai fait ça sur Pixlr, et ben vous, faut que vous fassiez pareil avec un logo YouTube et que vous screenez. Enfin voilà, c'est très simple en fait, c'est comme votre Movie Star. Vous screenez, puis voilà. Comment faire une miniature YouTube? Et le logo MSP aussi, moi je l'ai fait parce que c'est un logo que j'utilise dans mes miniatures en général. Donc c'est pour ça qu'il est déjà fait, mais voilà. Après, vous screenez un logo MSP, vous écrivez logo MSP PNG sur Google Images, et vous screenez, faut qu'il y ait les petits carreaux, enfin voilà, après vous screenez, et puis c'est simple, vous faites comme j'ai fait tout à l'heure. YouTube. Ah, j'ai inversé. Et maintenant, on va écrire. Voilà. Enfin, moi, j'aime bien que la miniature, genre, elle va avec le look et tout. Voilà, je trouve ça va quand même. Genre, je trouve elle est pas mal. Si ça va avec la peau. Comment faire une miniature MSP sur YouTube? Non. Miniature YouTube. Bah bien, je vais faire comme ça, genre. Comment faire une miniature YouTube? Personne va enlever et voilà.
C'est un peu de la merde, mais un truc, mais c'est pas grave. Voilà. Et ça, au pire, je sais comment je vais faire avant. Je vais faire comme ça. Bref, vous voyez un peu genre le style, enfin le genre de ça. Tac. Voilà. Nature YouTube. Ouais, voilà, comme ça je pense que c'est bon. Mais moi du coup je vais aller sur Google Images et je vais mettre bah, emoji love, genre en gros un emoji, voilà. Je vais prendre cet emoji, je vais le screener. Voilà, vous voyez quand il y a les petits carreaux, ça veut dire que c'est PNG, donc c'est pour les fonds verts. Je vais screener. Enregistrer. Smiley love. Voilà. Ensuite, vous allez dans Pixlr et vous faites, comme je vous ai dit, bah, comme j'ai fait avec la Movistar Planet. Avec la Movistar. Et s'il y a des gens qui n'ont pas compris, donc voilà, tac. Later layers, glow. Tac. Vous allez dans la baguette, vous faites tac, vous supprimez. Donc voilà, et ensuite c'est fait, vous voyez que c'est très simple. Et vous mettez sauvegarder. Ensuite, vous mettez add an image. Vous mettez. Voilà, mais en fait je pense pas que je vais faire comme ça. Comment faire une miniature YouTube? Je pense que je vais faire comme ça. Première étape, vous allez dans texte, vous mettez add texte, vous allez dans lato, vous choisissez genre le style de texte que vous voulez que ce soit, tac, et vous écrivez bah, ce que vous voulez faire. Moi je vous conseille d'écrire en majuscule parce que c'est beaucoup mieux. Donc là, il y a un bug. Voilà, donc après, vous faites comme ça. Voilà. Et vous faites ça avec tous les carrés, enfin, tous les carrés, tous les rectangles, vous mettez add text, vous écrivez faire et vous ajoutez, voilà. Ah, cette vidéo est terminée pour le moment, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Sur ce, je vous fais. Donc du coup, cette vidéo est terminée pour le moment. Donc voilà à quoi ressemble une nouvelle miniature. Donc ce sera aussi la miniature de cette vidéo. Donc ensuite, vous mettez nouveau. Enfin voilà. Donc vous mettez nouveau. Et vous screenez cette miniature. Voilà. Et ensuite... Non merde. Je recommence du coup. Et ben voilà, vous screenez, vous avez qu'à... Et vous avez plus qu'à publier la vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous montre comment poster une vidéo avec une miniature. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Sur ce, je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter.